Et salut tout le monde, c'est Striker et on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tutoriel. Donc cette fois-ci un tutoriel qui consistera donc à comment changer l'URL de sa chaîne YouTube. Donc l'URL qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que vous allez taper dans la barre de recherche pour trouver une chaîne YouTube. Donc si on va sur ma chaîne, donc moi j'ai déjà personnalisé donc mon URL. Donc comme vous voyez c'est marqué, donc si je clique, comme vous voyez sur ma chaîne c'est marqué. Donc www.youtube/user/strikerhunster. Donc moi dans ce tuto je vais vous montrer donc comment personnaliser ceci. Donc je fais juste une mini coupure le temps de me connecter sur notre chaîne. Allez, à tout de suite. Alors les amis, c'est bon. Donc je me suis connecté sur la chaîne donc de une de mes amies. Donc pour changer l'URL maintenant. Donc vous allez donc faire descendre le menu, vous allez cliquer sous paramètres YouTube. Et quand vous allez arriver sur cette page, vous allez cliquer donc sur Options avancées. Ensuite, ça va donc vous mettre sur la page Options avancées. Et ensuite, vous allez cliquer donc ici sous Créer une URL personnalisée. Donc, faites très attention parce que l'URL, quand vous la personnalisez, elle n'est valable qu'une seule fois. Donc, si vous vous trompez, vous êtes obligé de rester avec l'URL que vous avez modifiée. Donc je vais taper l'URL que mon ami veut. Alors, Lady Sun Shine. On va pas faire de faute parce que ça l'énerverait. De Dieu. Voilà, Sun Shine 2002. Ensuite, quand donc vous avez entré le nom que vous voulez pour votre URL. Vous faites créer l'URL de la chaîne. Ensuite, donc ça va vous mettre que vous avez créé l'URL de votre chaîne. Pour avoir plus de sûreté, moi je mets toujours enregistré. Donc je vous conseille de faire ça si vous voulez être sûr que votre URL a été enregistré. Donc maintenant, si on se rend de nouveau sur sa chaîne, ma chaîne, vous voyez donc que l'URL a été modifiée. Donc www.youtube/user/ladysunshine2002. Donc vous voyez qu'elle a bien été modifiée. Donc si ce tuto vous a plu, laissez un commentaire et des j'aime et je vous dis ciao et à très bientôt pour un nouveau tuto.